Et salut tout le monde, c'est Steam. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs. Aujourd'hui, on va faire des escortes criminelles, mais avant toute chose, je vais vous montrer les filatures en ligne. Parce que comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, il y a pas mal de choses à faire online pour avoir le 100%, mais je vais pas tout vous montrer. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est super long. C'est super super long. Et la deuxième, c'est parce qu'en fait, par exemple, là, les filatures, il faut en faire 10. Mais il faut pas juste en faire 10, il faut en gagner 10. Alors, les filatures, ça va, c'est pas trop long. En un quart d'heure, j'ai pu en faire 3, par exemple. Mais, c'est pas très grave si on perd, par exemple, parce qu'on en retrouve une assez rapidement. Le truc qui est chiant, c'est par exemple les décryptages en ligne. C'est un truc qui se fait à plusieurs. Alors déjà, faut qu'il y ait d'autres personnes. Alors déjà, c'est un peu plus compliqué par rapport à mes horaires. Et deuxième chose, ça dure très très longtemps. J'en ai fait une, ça a duré genre 20 minutes. On a gagné, j'en ai fait une autre, ça a duré un quart d'heure, on a perdu. Et vous imaginez si je dois en gagner 10, le temps que ça va prendre. Donc c'est clair que c'est pas un truc que je vais faire en vidéo. Là je vais vous montrer un de chaque. Je vous ai montré les courses de voitures, je vous ai montré le piratage en ligne. Là je vais vous montrer la filature en ligne, etc. Je ferai le 100%, c'est pas un problème, mais je vous le montrerai pas en vidéo parce que ça va être vraiment trop long. Et puis je pense que vous allez vous ennuyer. Donc là en fait, l'observation... Ouais, en fait c'est de l'observation, c'est-à-dire qu'il faut se rapprocher de la cible, utiliser le profiler, et puis voilà. Donc là faut que je retrouve la cible. Car les amis, j'ai un peu merdé sur celle d'avant. Du coup, j'en ai lancé une autre. Là le mec il est là dans le bar. Non, c'est le truc d'arme. Alors le truc là, il faut que je fasse super gaffe parce qu'il va probablement sortir. Là, je vais aller un peu plus loin. Voilà, comme ça c'est bien. Et merde. Donc là, faut pas que je me fasse repérer. Ça va être très compliqué hein, parce que là, il est rentré dans un truc où je suis obligé d'être devant pour le voir. Forcément, quand il va sortir, ça va pas être la même histoire. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Il a pas l'air d'avoir envie de me trouver, c'est cool. Ah ah ah. Voilà. Je me casse ici. Là, du coup, je le regarde plus. Ah si, voilà. Ok, hop, discret. Et voilà. Ah c'est bon, j'ai réussi. Nickel. Bon, j'ai eu de la chance qu'ils s'y mettent un peu trop tard. C'était une sacrée chance. Bon, du coup, je dois être à 4 sur 10. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va faire les escortes criminelles. Ouais, voilà, 4 sur 10. On va regarder où est-ce qu'il y en a une. Alors, il y en a une là. Il n'y en a pas une un peu plus proche. Ah oui, il y a encore des contrats de fixeurs, hein, mais c'est normal en fait, il y en a encore pas mal. Et il demande d'en avoir que 40. Pas que 40. que 40, c'est un peu abusé de dire ça. Il demande d'en avoir juste 40 pour valider la progression. On n'est pas obligé de faire les autres. C'est quoi toutes ces bagnoles là? Genre, si je te sors de ta caisse. Hop oh, regardez ça. Ah, mais là-bas, eh ben, putain. Ça va plus la voiture. Bon bah, je vous laisse tranquille hein, madame. Je vois que vous êtes motivé à conduire. Ok, bon bah, on va faire autrement. Toi, mets-moi ta caisse. Il appelle pas les flics s'il te plaît, merci. Bon allez, on est parti. Au moins je vous ai montré une petite filature en ligne. Vous voyez, franchement j'aime bien le principe. Je trouve que c'est assez rigolo, c'est jouer à cache-cache comme ça. Avec un mec et le suivre. Parce qu'on est forcément proche de la cible. Et après on peut jouer avec les caméras, etc. Hein, mais c'est vrai que par exemple si la cible elle prend une voiture, si genre si à côté d'elle elle a une voiture ultra sportive qui va super vite, ben, en fait c'est quasiment perdu, hein, à moins d'en avoir repéré une juste avant. Mais on peut pas la tuer, on peut pas l'arrêter, on peut pas utiliser de piège, tout ça, donc c'est un peu embêtant. Mais j'aime bien le principe, c'est assez rigolo.
Allez, petite escorte, alors j'en ai 6 à faire. En général, quand les flics tournent autour d'un type qui sait quelque chose, il est retrouvé mort avant d'avoir pu parler. Notre ami doit être un VIP. Je vais l'offrir à la police. Ça devrait faire réagir les Viceroy. Et donc ça, c'est un mec qu'il faut pas que je tue. Il faut pas que je le tue. Donc faut que je fasse attention. On va prendre le morceau de route concerné. Alors c'est dans quelle direction? C'est par là. Ok, donc on va y aller en sens inverse pour les rejoindre. Alors, est-ce que je peux fabriquer des petits trucs déjà? Ça. Ouais, juste un. Est-ce que je peux utiliser mon destroyer super? On va le prendre. On espère qu'ils sont pas trop nombreux. Et hop. Ok, ça c'est fait. Oh, tu t'appelles pas les flics, hein. Non, non, non. Police, précisez votre urgence, s'il vous plaît. Lâche voilà, merci. Ça va aller. Centrale à toutes les unités, nouveau délit détecté. C'est votre nouvelle priorité. Ok. Oh, là, il y a les flics qui vont arriver. Ah non, lui, il faut que je le mette au sol. Vas-y, reviens, viens, 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 viens. Viens sur tes potes, viens sur tes potes. Viens sur tes potes. Viens sur tes potes. Voilà. Allez, je me barre. Allez, ça démarre, démarre, démarre. Là, hop, voilà. Allez, on se tire. Mais arrêtez d'appeler les gens, là. Allez, hop. J'ai le pont, je suis tranquille. Putain, ça grippe bien la route, ce véhicule. Ah, j'ai pas eu le temps. Non, le pont, reviens, reviens. Ah merde, merde, merde. Ça c'est moche, ça c'est moche. Quoique. Oh, c'est pas si mal en fait. Ouais, si c'est atroce. Hop, voilà. Je suis bloqué. Non, c'est bon. Allez, je vais me barrer par là. Avec du bol, il y aura un petit véhicule qui va traîner. Ouais. Prendre la voiture qui est là. On va choper ce sac à merde. Alors, par où je sors? Ça, c'est con parce que la sortie est juste là. Ah, c'est bon. Super, c'est fait. On va aller faire un autre qui se trouve là, juste à côté. J'ai juste attendre qu'ils se barrent, les autres, là. Ok, c'est bon. Bon, bah allez, c'est parfait. Ça a été assez rapide, je suis assez content parce que ce genre de truc à chaque fois, je suis obligé de le recommencer assez souvent parce que bah, y a le mec qui meurt ou un truc comme ça, même parfois c'est pas moi qui le tue, il meurt tout seul dans une explosion de véhicule, un truc comme ça. Donc c'est vrai que je suis assez content. Ces ordures cherchent à profiter d'immigrants illégaux. Des gens qui ne manqueront à personne. Je suis sur le point de leur faire une grande surprise. Je remettrai le chef à la police en espérant qu'ils arrivent à démanteler tout ça. Ok, donc là encore, faut pas que je les tue. Faut que je les arrête. Bah, par où je vais passer? Non, je vais plutôt passer par là. Oh, non, 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 pas là, pas là. Bon, c'est pas grave. On va reprendre par là. Hop. Ça
Sauf que le problème, c'est que là, je ne peux plus... Je peux plus créer de bombes ou trucs comme ça. Donc ça, c'est un peu embêtant. Par des grenades, à la limite. Voilà. Allez. Bon, là, c'est un peu à l'arrache ce que je vais faire, mais bon. C'est vraiment, vraiment à l'arrache, même. Merde, il a un flingue. Non, non, toi, t'appelles pas les flics, là-bas. Là, je vais avoir des petits problèmes. Putain, la grenade, t'es où là? Ok, je l'ai arrêté. Me barre par là. Ça, je me suis pas trop mal débrouillé encore. Parce que le mec, il m'a foncé dessus. Je l'ai gentiment stoppé. On se barre par là. Bon, là, il devrait me lâcher assez rapidement, je pense. Il faudrait un petit truc pour les stopper vite fait, et puis ça devrait aller. Quoique. Il me colle un peu au cul. Hein. Ah ouais, 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 ils vont bien me coller au cul même. Ah. Les mecs qui me suivent en limousine, quoi. Allez, venez, suivez-moi. On va trouver une canalisation dans le coin. Ah non, vous êtes arrêté carrément. Bon. Ah là là, cette pluie. Ok, c'était la mauvaise idée. C'était la mauvaise idée. C'était la moitié de mauvaise idée au final, parce que je me trouve de l'autre côté. Il essaie de nous spé en se mélangeant à la foule. Mélangeant à la foule, y'a personne, mec. Et on rentre là-dedans. Vas-y, passe. Passez tous les deux, même. Voilà. Donc ça fait combien là? Ça fait, il m'en reste 4 à faire je crois, un truc comme ça. Ouais, 4. Non, je ferai pas les 4 dans cet épisode, je pense. On va aller... Je regarde ce qu'on a autour, histoire de changer un peu de décor. Ouais, là, y a rien de spécial, on a un LOL à la limite. On va se mettre là, hop. À la limite, on va faire celle-là. Puis je vais arrêter. C'est vrai que l'épisode précédent que vous avez vu, qui durait presque une heure, je viens juste de le tourner. Alors du coup, je suis un petit peu fatigué. Tout petit peu. Parce que il a duré une heure pour vous, il a duré plus d'une heure pour moi. J'ai rien trouvé un petit véhicule quand même. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je lance une vidéo Watch Dogs, il fait jamais beau. Pourtant, quand je joue pas, enfin quand je fais pas de vidéo, genre quand je me balade ou des trucs comme ça, il fait beau, il fait jour. Mais non, dès que je lance une vidéo, bah il pleut. À la limite, avant. Avant de faire ça, on va aller faire le petit point qui est à droite, là.
C'est une planque. Une planque d'armes. Alors par où on passe? Normalement il y a un truc qui doit faire le... C'est bizarre ça. Normalement il y a un truc qui doit bloquer, mais je le vois pas. Ah oui, là je le vois, ok. C'est vrai que si j'active pas le profiler, je peux pas voir grand chose. Ok, bon c'est là, mais je vois pas comment on va grimper. Peut-être un escalator dans le coin. Peut-être que j'y ai accès en faisant ça comme ça. Non. Oh bah alors là. Là c'est le grand mystère quand même. Pas de caméra en face non plus. Ah, il y en a une là. Ah mais en plus ça continue grave, regardez. On va prendre la caméra qui est là. Voilà, tout simplement. Vous allez me faire croire qu'il n'y avait que ça à faire. J'ai du mal à y croire. Quoique c'est bleu là. Ah ouais, il n'y avait que ça à faire. Bon. Ah, des petites grenades, ça fait plaisir ça. Allez, on se casse. Et on va faire ce qui était prévu. A engagé ce type pour fabriquer des bombes. Ils doivent prévoir quelque chose de gros d'ici pas longtemps. Je vais m'assurer que ça n'arrive pas. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Les tuer? Éliminer la cible. Ah, ça me plaît. Elle meurt, enfoiré. Allez, salut les gars. Ok, ok, laisse-moi monter, toi. Allez, go, 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 go. Putain, c'est chaud. Oh là là, c'était super chaud, là. C'était presque n'importe quoi, même. Hop. Tiens, comment j'ai défoncé. Ok, c'est pas trop mal ce que je fais. On va passer par là. Voilà, je les ai bien semés en plus. Bon, il y en a toujours un qui me course un petit peu, mais il devrait me lâcher dans pas longtemps. Dans pas longtemps, j'ai dit. Ah merde, je suis sur l'autoroute, du coup, il va jamais me lâcher, quoi. Bon, c'est pas grave, on va attendre la fin de l'autoroute, ça va aller. Genre là, il va prendre cher. Voilà. Là, normalement... Ah, ma clotte, il a envie de me suivre aussi. Ah, il veut pas me lâcher. Hein. Ah, si, c'est bon, il y a le cercle. Il y a le cercle.
Juste à le passer et ce sera terminé. Voilà. Eh ben c'est pas mal, hein. On va regarder notre petite progression quand même. Là, je suis à 15 sur 18. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, je crois que les trois prochains on les fera dans... Enfin, les trois derniers on les fera dans le prochain épisode. Là je suis à 88,7%. Je pense qu'au prochain épisode je serai à 90%. Parce que je ferai pas que les escortes, je ferai d'autres trucs aussi. Comme les mallettes à trouver, etc. Et tout ça, on le verra dans le prochain épisode. Donc, en tout cas, merci les amis d'avoir suivi celui-ci avec moi. Pouce bleu, ça vous a plu. Et pouce bleu d'encouragement surtout, parce que je vous jure que faire le 100%, c'est franchement pas simple. Et c'est vrai que parfois je désespère, surtout quand je regarde tout ce qu'il faut faire en ligne. C'est vrai que parfois je suis un peu désespéré, mais j'ai dit que je le ferai, alors je vais le faire. Alors je me force pas, hein, surtout, hein, ne pensez pas que je me force. Ce jeu, je l'aime bien, j'ai hâte que le DLC sorte fin septembre. Enfin voilà, c'est... J'adore ce jeu. C'est vrai que tout ce qui est parti en ligne, qui compte pour la progression, ça m'embête un peu. Mais bon, je le ferai, parce que ça en fait partie. Voilà, donc pouce bleu d'encouragement, vous serez gentil. Et puis rendez-vous très bientôt. Allez, ciao tout le monde.